Dor qui prend un excellent départ et on est parti pour cette European Trotting Master. C'est la finale. Commander Crew est bien parti également. Timoko donc qui prend également un bon départ. Puis on a Dumont qui accélère. C'est Save the Quick qui va peut-être s'emparer du commandement. Save the Quick qui vient très très vite avec Björn Goop pour rejoindre en tête Brad Develouf qui pour l'instant a pris l'avantage. Suivi tout près par On Track Piraton. Alors qu'on a également tout près Timoko, Commander Crew, Riddy Cash dans une course. On va déjà extrêmement vite pour sortir du premier tournant. Save the Quick qui se rabat au commandement devant Brad Develouf à plusieurs longueurs derrière. Timoko est avec On Track Piraton suivi par Commander Crew qui est au centre. On retrouve également Riddy Cash qui marque pour l'instant Commander Crew. Plusieurs concurrents sont légèrement attardés, c'est le cas de l'une des favorites, Roxane Griff en queue de peloton avec également Nahar, alors que Manwise As, le numéro 9, a été disqualifié avec toujours l'avantage pour Save the Quick avec en deuxième position Brad Develouf. Le reste du peloton est emmené par Timoko, On Track Piraton également qui est à la corde, Commander Crew au centre. On retrouve également Riddy Cash qui marque toujours Commander Crew. Et puis un peu plus loin, The Best Madrick qui établit la jonction alors que Roxane Griff est toujours en queue de peloton. Bas de la descente avec un peloton qui se reforme. On a, semble-t-il, un petit peu réduit l'allure en tête avec Save the Quick, Brad Develouf qui emmène tous les deux toujours. Timoko qui va venir se placer devant le track Piraton. Commander Crew, Sanity qui est à la corde, Riddy Cash au centre. Plus loin, il y a Bagley, The Best Madrick. Et puis toujours en queue de peloton, Nahar avec Roxane Griff qui prend l'instant ferme la marche. Direction la montée, une 12, c'était le temps de passage à 1000 mètres du poteau. À 1500 mètres du poteau, voilà Commander Crew qui accélère et qui vient très très vite pour tenter de prendre le vitesse Save the Quick. Jean-Michel Bazire qui vient très fort avec Commander Crew, tous les deux s'installent au commandement. Save the Quick est maintenant deuxième, suivi par Brad Develouf, par Timoko, alors que Riddy Cash se retrouve maintenant un peu né au vent, aux côtés d'On Track Piraton, suivi encore par The Best Madrick. Roxane Griff est toujours en queue de peloton. Bientôt le poteau des 1000 derniers mètres en vue pour Commander Crew. Commander Crew toujours suivi de très près par Save the Quick avec également sur une troisième ligne Brad Develouf, Timoko qui est quatrième à la corde, Riddy Cash est à ses côtés. Plus loin il y a toujours Nahar qui tente de quitter l'arrière-garde, The Best Madrick également qui vient un petit peu plus loin alors qu'on se dirige maintenant vers le tournant final. 1:11.5, c'était le temps de passage au poteau des 1000 derniers mètres. Commander Crew toujours qui a l'avantage alors que Riddy Cash se rapproche en progression maintenant aux côtés de Save the Quick. On retrouve également pas très loin du groupe de tête d'autres concurrents qui se rapproche, Roxane Griff qui passe maintenant à l'attaque et qui tente de venir. Attention également à Bagley qui est au centre et puis un peu plus loin de Track Piraton, sorti bientôt du tournant. Commander Crew qui réaccélère aux prises avec Riddy Cash. Save the Quick qui est tout près également avec Bagley qui vient quatrième et qui est sollicité. Brad Develouf qui est toujours cinquième à la corde devant The Best Madrick et puis également le numéro 2 On Track Piraton, sorti du tournant. Riddy Cash en champion qui accélère maintenant. Commander Crew qui tente de repartir et puis voilà également Bagley qui tente de venir. Riddy Cash qui a pris très facilement l'avantage. Commander Crew qui lutte avec Bagley, The Best Madrick qui termine très vite. Riddy Cash qui s'envole, Riddy Cash qui laisse sur place ses rivaux. Save the Quick qui vient à la corde aux prises avec Bagley, The Best Madrick et Timoko qui vient très vite. Riddy Cash sans problème qui remporte cette finale des Trotting Masters. Timoko est deuxième. À voir pour la troisième place, il y aura photographie entre The Best Madrick et Save the Quick. Riddy Cash qui montre une nouvelle fois tout son talent. Regardez le champion, gros plan sur sa tête. C'est un cheval hors norme, il l'emporte. Regardez le franchir le poteau largement devant Timoko qui prend une excellente deuxième place. La troisième position est pour The Best Madrick. La quatrième peut-être pour Save the Quick. Exactement, Jean-François devant le numéro 1 Bagley. Donc une arrivée chiffrée.